Branchez-vous sur Croisticoaliri et vous attendra au rendez-vous. La révélation des mystères cachés de la Bible. Église en ligne, le culte, l'adoration et la prédication du jour en direct. De l'exhortation et du réconfort spirituel. Demandez une requête de prière. La Bible audio et musique en toutes les langues. La compréhension biblique de l'actualité, des prophéties, et des signes de temps. La démystification des fausses églises et doctrines. Attachement à la saine doctrine. Et enfin, venez suivre les enseignements bibliques d'une profondeur et précision à vous couper le souffle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Praise the Lord. Nous regrettons, le modérateur a pris tout notre temps. Donc nous donnons 1h45 à l'orateur. We give 1h45 to the leader. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Qu'aujourd'hui nous puissions parler de sa part. That tonight again we may speak from him. Et nous sentons encore ce soir sa présence. And tonight again we feel the presence of the Lord. Parce que la présence du Seigneur, ça se sent. Because the presence of the Lord can be felt. Et je pense que ce soir, and I believe that tonight, le Seigneur fera encore de grandes choses. The Lord is going to perform wonders. Seulement, one thing, il a besoin de ta foi. He needs you to keep faith. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Without wasting time, we're going to take the scripture. Nous prenons le livre d'Agée chapitre 2. We are going to open the Bible in the book of Agée chapter 2. Le verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Agée chapitre 2. Agée chapter 2. Le verset 6 à 7. Verse 6 up to 7. On peut lire ça. We can read it. Lisons la parole de Dieu dans Agée 2 verset. Agée 2, verset 6 à 7. Agée chapitre 2, 6 to 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. On peut se limiter là. We can stop there. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement de chacun. May the Lord bless the reading and the understanding of everyone. Ok, aujourd'hui, today, par la grâce de Dieu, by the grace of God, toujours dans la pensée de la carte de la terre. Still remaining in the thought of the map of the earth. Nous allons prendre quelque chose aussi qui va t'édifier. We are going to bring up something to strengthen you. Et aujourd'hui, and today, nous allons parler sur l'ébranlement de la mer. We are going to speak about the shaking of the sea. Après avoir parlé sur le branlement des cieux, after speaking about the shaking of heavens, le branlement de la terre, the shaking of the earth, aujourd'hui par la grâce de Dieu, now by the grace of God, nous allons parler sur le branlement de la mer. We are going to speak about the shaking of the sea. En d'autres termes, le branlement des eaux. In other words, the shaking of the waters. Et nous allons expliquer l'objectif de cet ébranlement. And we are going to explain the purpose of the shaking. Et prendre ça, mettre ça dans ta vie. And to take that, apply it in your life. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. This is what we are going to speak about tonight. Mais avant d'avancer, before going further, je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. I am in the book of Song of Songs. Chapitre 2. Chapter 2. Je commence par le verset 10 jusqu'au verset 14. From verse 10, on ne va pas lire parce que c'est le problème des temps. We're not going to read, we're running late. Toi, écris seulement l'écriture que je viens de donner. Just write down what I gave you. Et là, il s'agit de quoi? It is about what? C'est le bien-aimé qui va vers la femme. The beloved is going to the loved one. Comme ce soir, le bien-aimé est venu aussi vers toi. Like tonight, the beloved has come to you. Mais vous savez, lorsque le bien-aimé va vers la femme, you know when the beloved is going to the woman? Le bien-aimé prend une nature. The beloved is taking a nature. Celle de la gazelle. The nature of a gazelle. Il va vers la femme. He is going to the woman. Mais quand la femme voit le bien-aimé, but when the woman sees the beloved, il appelle la gazelle. He will call, she will call the beloved gazelle. Est-ce que c'est un hasard? Is that just a random? Ça, c'est le fruit d'hasard. Is that the fruit of a random situation? Mais Dieu, il est le véritable sage. God is the most wise person. Et toute écriture est inspirée. And every scripture is inspired. Alors, quelle est l'inspiration qui se cache derrière cette écriture? What is the inspiration behind the scripture? Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 5, le verset 19. I am in the book of Proverbs 5, 19.
Dans cette écriture, in the scripture, quand on parle de la gazelle, when they speak about the gazelle, la gazelle symbolise la grâce. The gazelle in the meaning of the grace. En d'autres termes, c'est la faveur. In other words, it's a favor. Oh, pour dire. Just to say. Lorsque le bien-aimé, when the beloved, se dirige vers la femme, is going to the woman, avec la nature de la gazelle, with the nature of a gazelle, c'est un bien-aimé qui va. That's a beloved going pour faire une grâce, to do a grace, et une faveur à la femme, and a favor to the woman. Regarde un peu. Look this. C'est-à-dire, il va pour faire une grâce. He is going to do a grace. Il va pour faire une faveur. He is going to do a favor. Et je crois que ce soir, and I believe that tonight, il est venu aussi comme une gazelle dans ta vie. He has come as a gazelle in your life. C'est-à-dire, quand il vient comme une gazelle dans ta vie, when the Lord is coming as a gazelle in your life, il vient te faire une faveur. He is bringing a favor to you. Il vient te faire une grâce. He is bringing a grace to you. Je ne sais pas si ce soir, I don't know if tonight, il y a quelqu'un qui peut croire, there is someone that can believe, que Jésus-Christ est comme gazelle, Jesus being a gazelle, est venu à travers sa parole, he has come by the word, pour lui faire grâce, to do grace to you. Si tu crois à ça, if you believe so, ce soir le Seigneur te fera grâce. Tonight the Lord will do grace to you. Est-ce que tu comprends? Do you understand? Si tu crois, if you believe, ce soir aussi, tonight, il est venu pour te faire une faveur. He has come to grace you. Maintenant, regardons. Now look. Quand on parle de la gazelle, when they speak about a gazelle, là je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 2, le verset 18. I am in the book of 2 Samuel chapter 18. La gazelle c'est comme Asaël. The gazelle is like Asaël. Asaël était comparable à la gazelle. Asaël is compared to the gazelle. Parce qu'il avait les pieds légers. Because his feet were light. Il pouvait courir sans he problème. He could run without any problem. En lui, on voyait la rapidité. In him, we could see the speed. C'est parmi aussi les critères de la gazelle. This is one of the criteria of the gazelle. Alors, je trouve ce critère aussi où? Where did I find this? Je suis quelque part. Standing somewhere. Dans le livre d'un Samuel chapitre 17. In the book of 1 Samuel 17. Il s'agit de David. Speaking about David. David pouvait dire. David could say. Lorsque ma brebis à moi. When my sheep. Était dans la gueule du lion. Was in the mouth of the lion. Ou entre les griffes de l'ours. Or in the claws of the bear. Là, on nous parle de deux bêtes féroces. They are speaking about the wild beast. Parce que c'était l'image des deux grandes déportations d'Israël. Because they are speaking about the two great deportations of Israel. Une autre bête c'est l'Égypte. Another beast is Egypt. Et l'autre bête c'est la Babylonie. The other beast is Babylon. Les deux grandes déportations que Israël avait connues. The two great deportations that Israel knew. Mais je ne sais pas ce soir quelle est ta déportation. But tonight I don't know what kind of deportation you in. Quel est cet animal là qui t'a saisi? What kind of wild beast is bothering you? Mais David pouvait dire. David could say. J'ai aussi les critères de la gazelle, moi. I've got the criteria of the gazelle. Je cours vite avec les pieds légers. I can run faster with light feet. Pour secourir l'animal qui est dans la gueule. To come to the rescue of the animal in the claws. Et nous comprenons comme étant la véritable gazelle. So being the true gazelle. Il doit toujours courir vite pour ton problème. He has to run faster to your rescue. Avec les pieds légers, sans problème. With those light feet, there is no problem. Aucune chose ne peut l'empêcher. Nothing can prevent him. Parce qu'il a les pieds légers. Because his feet are light. Il doit courir. He has to run. Pour venir au secours d'une brebis ce soir. To come to the rescue of a sheep tonight. Voilà un peu parmi les critères de la gazelle. These are the criteria of the gazelle. Un secours qui ne manque jamais. The rescue that will never miss in the time of distress. Il a les pieds légers. His feet are light. La facilité de courir. Easy to run. Maintenant regardons. Now look. Lorsque la gazelle se présente devant la femme. When the gazelle is coming to the woman. Il y a un mur devant la femme. There is a wall before the woman. La gazelle vient avec la faveur. The gazelle is bringing the favor. Mais il y a une muraille qui s'élève. There is a wall before. Il y a une muraille qui se lève. There is a wall standing. Ce qui est curieux.
Strange enough, malgré la miraille, despite that, la gazelle a regardé la femme. The gazelle saw the lady. Moi, je crois que I believe ce soir aussi, tonight, malgré toute miraille qui peut s'élever, despite any kind of wall standing before you, tout problème qui peut s'élever, any kind of problem standing before you, toute maladie qui peut s'élever, any kind of situation, toute difficulté qui peut s'élever, any disease and difficulty, Jésus-Christ est la véritable gazelle et disposé de te voir. Jesus is the true gazelle available to see through the wall. Mais comprenez aussi, but understand, ce mur qui séparait la gazelle, the wall separating the gazelle, avec la femme, to the woman, c'était aussi l'image de la loi. That was the image of the law. Qui nous séparait avec Christ. Separating us from Christ. La loi c'était aussi comme une miraille, n'est-ce pas? The law was like a wall. Alors ça nous séparait. Separating us. Parce que ce jour-là, because that day, Pierre est allé dans la maison de Cornelius. Peter went to the house of Cornelius. Or selon la loi, according to the law, un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen. A Jew is not to go in the house of a pagan. Pour dire tout simplement, just to say, la loi c'était une miraille qui nous séparait. The law was a great wall separating us. Et il est entré dans cette maison. He went into the house. Il a prêché. He preached. Et il a mangé. He ate. Mais les Juifs ont interrogé Jésus, ont interrogé Pierre. The Jews are interrogating Peter. Les Israélites. Israelite. Ils ont dit, comment toi qui es un juif, they said, how come you as a Jew, tu es entré dans la maison d'un païen, you went into the house of a pagan. Mais Pierre va leur apprendre, Peter would remind que them, dans cette alliance Jésus-Christ c'est une gazelle. In this covenant Jesus Christ is a gazelle. Il est obligé de voir la femme. He is obligated to see through la the wall, the woman. La femme qui est de l'autre côté du mur. The woman who is at the other side of the wall. Parce que par rapport à cette même loi qu'il lisait, because in relation to the same law, la gazelle, the gazelle, c'était la nourriture, was the food, non seulement des pires, not only of the clean, mais c'était aussi la nourriture des impies, but the food of the unclean as well. Là, je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 12. I am in the book of Deuteronomy 12. Commençant par les versets 13-14. From 13 to 14. Dans l'ancienne alliance, Israël était considéré comme étant le pire. In the old covenant, Israel was the clean. Mais nous comme étant les impies. We as pagan were unclean. Alors Jésus-Christ en venant avec la grâce. Jesus Christ by bringing the law. C'était gazelle pleine de grâce. He was a gazelle full of c'était grace. Cette gazelle là. That gazelle. Il n'était pas seulement la part des pires. He was not only for the clean. Des juifs. The Jew. Il était aussi la part de ceux qui étaient but rejetés. But also the share of the rejected ones. En d'autres termes, des impies. In other words, the unclean. S'il y a quelqu'un qui est rejeté ce soir. If there is someone who's rejected tonight. Christ soit sa grâce. May Jesus Christ be your grace. Le véritable gazelle. The true gazelle. Ce qui va boire caillou. If they threw you away. Négligé you. They neglected you. N'engue pas ba négligé qui bato ba bikolo. Same as they neglected the pagan. Le gazelle enda lokota caillou. But the gazelle is picking you up. Comme gazelle, il vient faire la grâce. The gazelle is bringing the grace. Il doit te voir. He has to see you through. De l'autre côté de la miraille. From the other side of the wall. Nous comparons encore la gazelle à quoi? To what are we comparing the gazelle again? C'est comme aussi dans le livre de Genèse chapitre 49. Like in the book of Genesis 49. Là, il s'agit de Joseph. It is about Joseph. Joseph dans la bénédiction du père. Joseph in the blessing of the father. Était comme l'arbre qui s'est élevé. Was like a tree standing up. Au-dessus de la miraille. On the other side of the wall. D'autres termes, in other words, même ceux qui étaient de l'autre côté de la miraille, even those from the other side of the wall, Joseph était aussi pour eux. Joseph was for them. Il devait voir ceux qui étaient au-dessus de l'autre côté he de la miraille. He had to see those from the other voilà side of the wall. Joseph n'était pas seulement pour ses frères. That's why Joseph was not only for his mais brothers. Mais il était aussi pour d'autres qui étaient en dehors de la miraille, c'est-à-dire de l'autre côté he de la miraille. He was also for the other people from the other et de l'autre côté de la miraille. From the other side, ce sont les Égyptiens. There are Egyptians. Que le Seigneur soit loué. May the Lord be praised. Pour dire tout simplement quoi? Just to tell you this. Joseph, il est au-dessus de la miraille. Joseph is on top of the wall. Il est au-dessus du problème. He is on top of your il problem. Il est au-dessus de tes difficultés. He is on top of your difficulties. Il est au-dessus de cette maladie. He is on top of the disease. Il est au-dessus de ce problème qui te trouble. He is on top of the problem. Parce que lui, il est au-dessus de la miraille. Because he's standing on top. Il est au-dessus de la miraille. Beyond the wall. Il doit te voir ce he soir. He has to see you tonight. Mm.
Je vois que maintenant les frères ont compris. Now brothers have understood. Que Amen. Le Seigneur soit loué. May the Lord bless you. Mais en continuant la lecture. But carrying on with the readings. Toujours dans le livre des Cantiques, chapitre 2. Still in the book of Song of Songs chapter 2. Sortons parce que l'hiver est passé. So let us go out because winter is over. Le temps de chanter est arrivé. The time of singing has arrived. L'hiver est passé. Winter is over. Vous savez, l'hiver c'est une saison. Do you know winter is a season? L'hiver a son début et a aussi sa fin. Winter has got its beginning and ending. C'est ce que tu dois croire. This is what you have to believe in. Mais Esaïe est en train de définir l'hiver. Isaiah is defining winter. Dans le livre d'Esaïe chapitre 18 et le verset 6. In the book of Isaiah 19:6. Selon Esaïe. According to Isaiah. L'hiver. Winter. C'est un temps. Is a time où la bête féroce s'abat sur l'animal, sur la brebis. When the wild beast is getting the sheep. Où la bête féroce s'abat sur le peuple. The wild beast is on top of the people. Oh, par là je comprends. Then I understand que lorsque la brebis était dans la gueule, c'est-à-dire Israël était sous l'emprise de Pharaon, c'était son hiver. When the sheep was under the claws of Pharaoh, that was the time of winter. Israël était en train de passer le temps d'hiver lorsqu'il était sous l'emprise de Pharaon. Israel was spending winter under the claws of Pharaoh. Je ne sais pas ce soir s'il y a quelqu'un qui est en train de passer un temps d'hiver. I don't know if tonight there is someone spending the time of winter. Parfois, il est la proie d'un problème. Sometimes you are the prey of a problem. Parfois, il est la proie d'une difficulté. Sometimes you are the prey of a difficulty. Parfois, il est la proie d'une maladie. Sometimes you may be the prey of a disease. Mais crois seulement que la promesse dit l'hiver est passé. But I would like you to believe that the promise said winter is over. Et ce soir, si tu crois à ça, if you believe so, ton hiver aussi passera. Your winter will be over. C'est une saison qui a le commencement. It's a season with a beginning. Mais qui une saison aussi qui a sa fin. And it has an ending as well. L'hiver est passé. Winter is over. La foi, c'est cette confiance là qu'on a à la promesse. Faith is the trust that you have in the promise. La confiance totale que la personne a à la promesse. The full trust that you have in the promise. La personne croit que si Dieu dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. You believe that whenever the Lord speaks, he has to accomplish. Et si Dieu dit que l'hiver est passé, and if the Lord says winter is over, l'hiver aussi doit passer. Certainly winter will be over. Mais vous savez comment l'hiver d'Israël était passé? Do you know how the winter of Israel go away? C'est dans Exode chapitre 12. It was in Exodus 12. Il fallait que l'agneau puisse mourir. The lamb had to die. Et par la mort de l'agneau, l'hiver d'Israël est passé. By the death of the lamb, winter was over. La mort de l'agneau a le pouvoir. The death of the lamb has got the power. De te faire victorieux par rapport à ton hiver. To make you a winner in relation to your winter. Si tu crois à la mort de l'agneau. If you believe in the death of the lamb. Crois à la mort de Jésus-Christ. You believe in the death of Jesus. Ce soir ton hiver passera. Tonight your winter is over. Ok. Il fallait que je puisse t'exhorter. So I needed to bring this encouragement. Que ta foi soit augmentée. May your faith increase. Et quand on va prier pour toi. When we going to pray for you. Un miracle sera déclenché. A miracle will open up. Si vous avez la foi. If you've got a faith. Vous direz à cette montagne. You will tell the mountain. Ôte-toi de là. Get out of this. Et nous avons dit. We said. Que la foi. Faith. C'est aussi le tremblement. Is also the quaking. Qui a plané les autres montagnes. To flatten other mountains. Une petite récapitulation sur ce que nous avons dit. A small summary upon what we said. Et toucher ce que nous allons dire aujourd'hui. And touch what we are going to speak about tonight. Ok. Nous avons dit ceci. We said this. Premièrement, par rapport à l'ébranlement du ciel. First of all, in relation to the shaking of heavens. Nous avons dit
que le branlement du ciel avait un objectif. We said that the shaking of heavens had a goal. Et l'objectif de cet ébranlement, the goal of the shaking of heavens, c'était de changer l'identité de la terre. Was to change the identity of the earth. Parce que c'est ce que nous avons vu au temps de Noé. Because this is what we saw in the time of Noah. Le Seigneur a ébranlé le ciel. The Lord shook the heavens. C'était par cette forte pluie-là. That was by the flood. Et quand il a ébranlé, when he shook it, le constat c'était quoi? What did we notice? Il a plongé la terre dans les eaux. He did dive the earth under the waters. C'était la position du commencement. That was back to the beginning. Comme dans Genèse chapitre 1er. Like in Genesis chapter 1. Et si vous voyez l'Éternel faire revenir la terre sous les eaux. When you see the Lord bringing back the earth under the waters. Comprenez que Dieu vise une nouvelle création. Understand that God is looking forward to another voilà creation. Voilà pourquoi par l'ébranlement du ciel. That's why by the shaking of the heavens. Le Seigneur visait aussi une nouvelle création. The Lord God saw another creation. C'est pourquoi nous avons dit ceci. This is the reason why we said, que cette nouvelle création aujourd'hui c'est toi. The new creation today is you. Cette nouvelle terre aujourd'hui c'est toi. The new earth is you. Et par l'ébranlement du ciel, by the shaking of heavens, le Seigneur est disposé de changer ton identité. The Lord is available to change your identity. Mais il y a aussi un autre objectif par rapport à l'ébranlement du ciel. There is also another purpose in relation to the shaking of the heavens. C'est de mettre fin à une époque. The Lord is putting an end to a age. Raison pour laquelle sur la croix, that's the reason why on the cross, il y avait aussi un ébranlement du ciel. There was a shaking of the heavens. Parce que on verra le soleil qui a perdu son éclat. Because we will see the sun losing the brightness. C'est l'image aussi de l'ébranlement du ciel. That is the image of the shaking of the heavens. Mais le luminaire qui est appelé à marquer l'époque. So the great light that is to change the time. Si vous remarquez le luminaire perdre son éclat. So if you see the great light losing the brightness. Comprenez que le Seigneur par cet ébranlement vise à mettre fin à une époque. Understand that the Lord is about to put an end to an age. Et l'ébranlement qui s'est manifesté sur la croix, l'œuvre de la croix. The shaking that occurred on the cross, the wake of the cross. C'est pour que le Seigneur mette fin à une époque difficile. Dans ta vie, that was for the Lord to put an end to a difficult time in your life. À une époque qui t'est tourmentée, a time that was tormenting you. À une époque de péché, a time of a sinful nature. Pour manifester une nouvelle époque dans ta vie. To bring up a new age in your life. Moi, je crois que lorsque le Seigneur envoie le message, I believe that when the Lord is sending a message, derrière le message, il vise un objectif. Behind the message, there is a goal. Voilà pourquoi je continue à prier par rapport à cela. That's why I carry on praying in relation to that. Et que le Seigneur change ton identité. May the Lord change your identity. Et que le Seigneur aussi manifeste une nouvelle époque dans ta vie. May the Lord bring up a new age in your life. En d'autres termes, qu'il te donne un nouvel élan. May the Lord give you a new way of going. Et nous sommes venus au tremblement de terre. So we went to the shaking of the earth. Beaucoup aussi à dire là-dessus. We've got so many things to speak about. Mais nous avons dit ceci. But we said this. Comme aussi l'ébranlement du ciel. Same as the shaking of the heavens. L'ébranlement de la terre a aussi l'objectif, celui aussi de changer l'image de la terre. The shaking of the earth has got the goal of changing the image vraiment, of the earth. Je crois que dans ce séminaire, I believe in this seminary, le Seigneur changera l'image de beaucoup d'entre vous. The Lord God will change the image of many of you. Et lui aussi, le tremblement de terre a cet objectif de changer l'image. And the quaking has got the goal of changing the image. Bana bazalaki te nkola ko pesa bana. Where there was a barren, you will have twins. Ici, kama kambwe kangama ki nkola ko fungula. So where
of the blockages, there will be opening, breakthrough. Where there was a disease, there will be healing. Il doit changer l'image de the la Lord terre. Has to change the image of the earth. Where there was a sin, the Lord God was going to cleanse. Attends, je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Quelque chose qui me revient. Something that is vous coming savez, to mind. Il y a beaucoup de gens. There are so many people. Parfois, en venant à l'église, il prend soit la forme d'un saint. Sometimes coming to church, they change the nature to mais a saint. Mais go home. C'est ce qui est grave. Go to their places. Vous that savez, is même strange. Là où nous habitons, when we stay, nous devons manifester les bons parfums. We need to spread the perfume. La bonne odeur. The bad, good smell. C'est très important la sanctification et la pureté. So cleanliness and sanctification. Il y a aussi des promesses qui accompagnent la sanctification et la pureté. We've got the promises with the sanctification. Il y a un frère qui passait un temps très difficile. There is a brother who was spending a difficult time. Avec une trop petite maison. With a small house. Il est venu me trouver, mais c'est un frère qui craignait Dieu. He came to me, and that was a brother fearing God. Il m'a dit, pourquoi toutes ces souffrances, mon frère? He said to me, brother, but why am I suffering so? Je lui ai exhorté, je lui ai dit. I encouraged the brother. Frère, ne t'en fais pas. Brother, don't worry. Dans ce chemin, le secret de l'élévation. On this way, the secret uplift. C'est avoir la crainte de Dieu. Is to fear God. Si réellement il y a la crainte. If de you Dieu, really fear God. Et Dieu te connaît que réellement il est craint. And God knows that you fear him. Ce Dieu-là va te récompenser. God is going to reward you. Je vous assure aujourd'hui. I'm telling you today. Dieu a récompensé ses frères. God reward. Pour dire tout simplement la sanctification et la pureté ça paye. Cleanliness and sanctification they pay out. Une église doit marcher dans la sanctification et la pureté. A church has to walk in cleanliness toi, tu dois and marcher dans la sanctification purity. Et la pureté. You have to walk in cleanliness and purity. Un jour j'allais vers un frère. One day I was going to one brother. Mais regardons ce qui s'est passé. But look at what happened. Quand j'ai vu le frère. When I saw the brother, il y a une vision qui est descendue devant moi. There is a vision that came to me. Je verrai le frère avec une fille à côté. I will see the brother with a small une daughter. Une fille qui était un peu mince, un peu élancée. So a small daughter, very skinny and et le frère était tall. Devant moi. The brother was standing before me. Mais quand je me suis approché, but when I came closer, j'ai vu que le frère était seul. I saw the brother was alone. Mais en regardant comme ça l'apparence, c'est comme un frère qui reflétait vraiment une bonne apparence. But by looking at the brother, he was looking so good. Mais j'ai compris que le jugement ce n'est pas selon l'apparence. But I understood that the judgment is not in relation et par to the ce message, le frère c'est un frère qui marchait dans une mauvaise vie. So that brother was living in sinful life. Si tu marches dans une mauvaise vie, when you live a sinful c'est life, toi-même qui es en train de te détruire. You are destroying yourself. Parce que la sanctification, because holiness, je t'assure et j'insiste, I insist on ne that. Sois pas hypocrite, do not be hypocrite devant le pasteur, before the pastor, mais la sanctification holiness, devant Dieu, before God, ça paye. Will it pay out? If you are a hypocrite, I encourage you to go and see the apostle to help you so that you can be helped. Le deuxième objectif, the second purpose de l'ébranlement de la terre, of the shaking of the earth, c'est pour aplanir ce qui est élevé. Is to aplanish what is lifted up. Aplanir les hautes montagnes. To aplanish the high mountains. Alors nous nous sommes dit, we said, ce tremblement de terre dont il est question, en réalité c'est quoi? The quaking, the speaking about, what is it? Il s'agit de quoi? It is, what is it about? Oh, dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, in the book of Revelation chapter 8, on nous parle d'un tremblement de terre. They spoke about a quaking. Dans le sixième sceau, on the sixth seal, on nous parle d'un tremblement de terre. They're speaking about a quaking. Mais en réalité, que veut dire ce tremblement in de terre? In reality, what does that mean? Nous sommes allés dans le livre d'un Samuel. We went in the book of 1 Samuel. Chapitre 4, le verset 5. Chapter 4, verse 5. Et là, nous avons compris we understand que Israël avait confiance à l'arche. That Israel trusted the ark. Devant les problèmes et les difficultés. Before the problem and difficulties. Israël avait confiance Israel à l'arche. Israel was trusting the ark. La présence de l'arche c'était la joie d'Israël. The presence of the ark was the joy of the people. Alors que dans le livre des Nombres chapitre 10 le verset 35. But in
the book of Numbers 10:35, quand on parle de l'arche, l'arche c'est l'Éternel Dieu lui-même. When they speak about the ark is God himself. Et quand l'arche s'est levée, when the ark was lifted up, lève-toi Éternel et combat nos ennemis. Stand up alone and fight our enemies. C'est pourquoi Moïse savait que Dieu était très important pour eux. That is why Moses knew that God si was very significant. Avec nous, if you don't walk with us, nous aussi nous nous quitterons pas. We will not stand up. Parce qu'il savait la présence de Dieu. Because he knew the presence of God. C'est la victoire du peuple. Is the victory of the people. Et si il est présent ce soir, if he is present tonight, comprends que c'est ta victoire aussi ce soir. Understand it's your victory tonight. Et lorsque l'arche est entrée dans le camp d'Israël, when the ark was in the camp of Israel, Israël a crié. Israel cried. Et l'écriture dit noir sur blanc. And the scripture says, la terre trembla. So there was a earthquake. Alors que selon les écritures, so according to the scriptures, lorsque l'arche se lève, when the ark is standing, c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. The Lord God is fighting for his people. Voilà pourquoi j'insiste encore. That is why I say again. Et ma prière aussi ce soir. My prayer tonight. Que le Seigneur lui-même se lève pour ton problème. May the Lord himself stand up for your problem. Que ça ne soit pas la famille qui va se lever pour toi. Not your family to stand up for you. Que ça ne soit pas l'entourage qui se lèvera pour toi. Not your entourage to stand up for you. Les amis qui se lèveront pour not toi. Your friends to stand up mais for you. Lui-même le Seigneur himself the Lord se lève et défend ta may cause stand ce soir. Up and defend you. Et quand Dieu se lève, when the Lord stands c'est ça up, le tremblement de terre, that is the quaking et toutes of the les earth, montagnes doivent être aplanies. All the mountains have to be aplanished. When the Lord is standing up for you, even if there is a mountain, Adam, maladie, sida, problème, even if there is a disease, it's going to be flattened. It's going parce to become si a plague. When God stands, c'est ce qu'on appelle le tremblement de terre. This is what we call maintenant, the quaking. Je comprends l'assurance qu'avait Job. Now I understand the assurance. Job avait l'assurance. Job has the assurance. Il disait que l'Éternel se lèvera. He would say the everlasting God will rise up. Et la grande montagne. And the great mountain. La grande montagne. The great mountain. Qui était avec Job? Who was it? Qui était son problème? The problem. Quand Dieu devait se lever, when that stood cette up, cette grande montagne, the great mountain, devait s'aplanir. Had to be flattened. Il faut que tu t'auras toujours longue. You have to always proclaim the victory. Soko yebinzambe ondimeli. If you know the Lord, you believe then. Okolenga kana yote. You will never be afraid. Moko zalaka moto ya ba déclaration. You will declare. Ya kotatola ka elonga. You will decree and declare. Liboso ya bitumba. Before any kind of situation. Est-ce que tu crois ça? Do you believe so? Tolobi ete première victoire na kati na bitumba. We set the first victory in the battlefield. Il faut enlever la peur. You need to take out the fear. Il faut enlever la crainte. You need to take out the fear. Crois et aie confiance à ce Dieu là que toi tu as crié. Believe and hope, trust in the Lord. Maintenant, now, nous prenons le problème des eaux. We are going to speak about the shaking of the waters. Qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? What are we trying to say about this? Comprends que understand dans les écritures il y a aussi l'ébranlement des eaux. That in the scripture there is also the shaking of the waters. L'écriture nous parle de l'ébranlement des eaux. The scripture is telling us about the shaking si of the waters. Dieu veut sécher les eaux. If God want to dry up the waters, il vient d'abord ébranler ces eaux là. He is going to shake the pour waters. Dire tout simplement to say pourquoi Dieu ébranle les eaux. Why is God shaking the waters? Parce que dans le livre de Job chapitre 14. Because in the book of Job chapter 14. Commençant par le verset 11 jusqu'en bas. From verse 11 downward. Et dans le livre de Nahum chapitre 1er. In Nahum chapter 1. Le verset 4. Verse 4. Dieu donne la promesse de sécher les eaux. God is giving the promise of drying up the waters. Et pour sécher ces eaux, to dry up the waters, Dieu doit ébranler les eaux. God has to shake the waters. Je répète. I repeat. Il y a une promesse dans les écritures. There is a promise in the scriptures. De sécher les eaux.
to dry up the waters. Mais pour sécher les eaux, to dry up the waters, Dieu doit ébranler les eaux. God has to shake the waters. Si les eaux ne sont pas ébranlées, if the waters are not shaken, les eaux aussi ne sécheront jamais. The waters are never gonna dry up. Mais pourquoi le Seigneur vient ébranler les eaux et sécher les eaux? Why is the Lord coming to dry up? Il vient ébranler et sécher les eaux. He's coming to shake and dry up. Parce qu'il y a une terre qui est sous les eaux. Because there is the earth on the world. Moi, je suis dans le livre de Psaume chapitre 18. I am in the book of Psalm chapter 18. Et quand il vient ébranler, when he's coming to shake, il sèche les eaux. He's drying up. C'est pour faire sortir la terre qui est sous les eaux. This is to bring out the earth that is under the waters. Qui est cette personne-là? What is that person? Qui est esclave des grandes eaux? Who is a slave of great waters? Qui est cette personne-là? What is that person? Qui est dominé par les grandes eaux? Who is ruled by waters? Il y a une promesse pour cette personne. There is a promise for you. Il y a une promesse pour ses frères. There is a promise for the brother. Il y a une promesse pour ses frères. There is a promise for the sister. Il y a une promesse pour cette sœur. The promise for the sister. Que le Seigneur ébranle les eaux. The Lord is shaking the waters. Sèche les eaux. Drying up. Pour te faire sortir. So that you may come out. De ces grandes eaux qui te dominent. From the great waters swallowing you. I don't know if there is someone that understands. Je le répète. I repeat. Qui est cette personne? What is that person? Qui est sous les eaux? Who is under the waters? Dominé par les eaux. Ruled by waters. Esclave des grandes eaux. Slaves of great waters. La proie des grandes eaux. The prey of great waters. Mais il y a une promesse. There is a promise. Que cette personne, hein, that person, le Seigneur viendra. The Lord will come. Et il agitera les eaux. Will shake the waters. Et il prendra cette personne. Will take you. Et la faire sortir des grandes eaux. Out of the great waters. Voilà pourquoi ma prière ce soir. That's why my prayer tonight. S'il y a des eaux qui t'ont dominé. If there are waters surrounding you. Inondé par les grandes eaux. You are swallowed by waters. Inondé par les problèmes. Swallowed by problems. Inondé par les péchés. Swallowed by sins. Inondé par les difficultés. Swallowed by difficulties. Et le Seigneur agite les eaux. May the Lord shake the waters. Les eaux. He may dry them up. Sortir. He may take you out of the waters. Amen. Que le Seigneur soit loué. Praise the Lord. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? Now, what are we trying to say? Si tu comprends ça, if you understand this, tu comprendras que le troisième jour, you will understand that the third day, pour que la terre sorte des eaux, for the earth to come out of the waters, les eaux étaient agitées. So waters shook. The earth can never come out of waters. Selon les écritures, according to the scriptures. So ki nzamba ningisi mayi. If God doesn't shake the waters, nzamba ningisa ki mayi twazi. God shook the waters on the third day. He shook. Afin kabimisa mabele moko oyekangama. To take out the earth. C'était passé le troisième jour. This is what happened the third day. Le troisième jour de on the third day of creation. Et qu'il a ébranlé les eaux. He shook the waters. Il a bougé les eaux. He shook the waters. Il a fait sortir une terre. He took out a land. Et il a appelé cette terre qui est sortie le cercle. He called that land a circle. Est-ce que ça c'est hasard nzamba benga yango cercle? Do you think it's just a random situation that God called vous it voyez, second? Dieu a fait le troisième jour. Do you see what God did on the third day? Il a ébranlé les eaux. He shook the waters. Parce qu'il avait une mission. Because he had a mission. De faire sortir une terre. To bring out a land. On va prendre Jonas, on le jette dans les eaux. They will take Jonah and throw him in the waters. Et quand le véritable Jonas va venir, when the true Jonah will come, il dira, he would say, comme Jonas a été jeté dans les eaux, same as Jonah was thrown in the waters, l'homme aussi sera jeté dans les séjours des morts. The son of man will be thrown in the days of death. Mais il faut faire attention quand il a été jeté dans les séjours des morts. Be careful when he was thrown il in the desert. Il est allé ébranler les eaux. He went to shake the waters. Les séjours des morts. The days of death. Afin que celui qui était esclave, so that the one who was slave, puisse sortir, may come out. Qu'il puisse vaincre la mort. He may rule over death. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. This is what we call resurrection.
Est-ce que tu crois ça? Do you believe so? Je suis encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 30. Again, I am standing at Isaiah 30. Le verset 30 à 31. Verse 30 to 31. Là, on compare la parole à la verge. They compare the word of God to a staff. C'est-à-dire, la parole, c'est aussi une verge. So the word of God is also a staff. Quand le prédicateur se met devant, when the preacher is standing here, il enseigne. He is teaching. Il ne vient pas seulement avec le vin. He is not only coming with the wine. Parce que le vin, ça réjouit le cœur, n'est-ce pas? Because the wine rejoices the heart. Mais il peut venir aussi avec la mettre toutes choses en ordre. To bring back to order everything. Et la parole du troisième jour, c'était une verge. The word of the third day was a staff. Vous savez, le troisième jour, you know, the third day, la parole que Dieu a prononcée, c'était une verge. The word out of the mouth of God was a staff. Parce que cette parole avait pour mission, because the word has a mission, d'aller ébranler les eaux, to go and shake the waters, d'agiter les eaux, to shake the waters, et de faire sortir une terre qui était esclave là sous les eaux, and to bring out a land that was a slave under the waters. Ma belle moko ezalaki esclave fwe bima. A land under the waters in slavery has to come out. Je lis le livre de Nahum chapitre 1 le verset 4. When I read Nahum 1:4, lui Nahum dit, Nahum said, que l'Éternel menace les eaux. The Lord is threatening the waters. En d'autres termes, le troisième jour, in other words, il a menacé les eaux. The third day, God threatened the waters. Pour faire sortir la terre qui était esclave. To get out the land that was slave. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? What am I trying to say again? God speaks in so many ways. Je vois des eaux. I see waters. Les grandes eaux, il s'agit de l'Égypte. Great waters in Egypt. Égypte, c'était l'image des grandes eaux. Egypt was the image of great waters. Et il y a une terre qui était là dans les grandes eaux. There was a land in the great waters. Et cette terre, c'était Israël. That land was Israel. Vous savez, cette terre, c'était Israël. Do you know that land was Israel? Et l'Égypte, c'est les grandes eaux. And the Egypt was the great waters. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, in the book of Revelations, là l'Écriture dit ceci. The scripture says, leurs cadavres seront exposés dans un lieu public. The corpse will be exposed in a public place. Appelé dans un langage spirituel l'Égypte. Called in a spiritual language Egypt. Là où leur Seigneur a été crucifié. Where the Lord was crucified. Quand nous lisons noir sur blanc, when we read black and white, Jésus-Christ n'a pas été crucifié en Égypte. Jesus Christ was not crucified in Egypt. Mais quand nous lisons avec l'œil de l'aigle, when we read with the eye of an eagle, Jésus a été crucifié en Égypte. Christ, Jesus was crucified in Egypt. Jésus qui est mort en Égypte, Jesus who died in Egypt, c'est l'agneau de l'Exode chapitre 12. He is the lamb of Exodus 12. Et l'agneau était mort en Égypte. The lamb died in Egypt. Et directement ici l'Égypte. And here Egypt devient ce monde ici. He is this world. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Do you understand? L'Égypte devient ce monde. The Egypt will become alors, the world. Alors dans les Écritures, ce monde est appelé les grandes eaux. In the scripture, the world is called voilà great pourquoi waters. L'Égypte, ce sont des grandes eaux. That's why the Egypt are the great waters. Mais dans ces eaux-là, il y avait une terre qui était dans ces eaux. In those great waters, there was a land. Et cette terre, c'était Israël. That land is Israel. Mais le Seigneur, dans ses principes, but God in the principle, il fallait qu'il fasse sortir cette terre qui était sous les eaux. He had to bring out the land under the waters. Dominée par le sida, ruled by HIV, dominée par la maladie, ruled by disease, dominée par les problèmes, ruled by problems, esclave des difficultés, slavery and difficulties, plongé en Égypte. Dived in Egypt. Et Dieu dira, God would say, non, je dois faire sortir cette terre. I have to take out the land. Il faut n'abîmisa sœur one. I need to bring out that sister. Il faut n'abîmisa frère. I need to bring out that brother. Mais qu'est-ce qu'il dira? What would he say? Il viendra avec Moïse et Aaron. He would come with Moses and Aaron. Pour menacer les eaux de l'Égypte. To threaten the waters of Egypt. Et ces eaux ont été menacées par les frappes. And those waters have been threatened by the plagues. Les eaux étaient menacées par les fléaux. That was the plagues. Oh, par là, je comprends quelque chose. Then I understand. If God prepared to free you, He will make use of any ways to set you free. God in His plans, if He prepared
prepared to do good to you, he may do that in so many ways beyond your expectations. Et il a menacé ces grandes eaux. He threatened the great waters. Il a menacé l'Égypte. He threatened Egypt. Comment il a menacé l'Égypte? How did he threaten? C'était par les fléaux. That was through the plagues. On appelle communément les 10 plaies. That we call the 10 plagues. Petit Égypte fimbu. He struck them. Et le quoi dans ce lawana? So that was doing. C'est ce qu'il a fait à la création. He did that in the creation. Et c'est ce qu'il fera aussi dans la prophétie. He will do that again in the prophecy. Parce que dans la prophétie, il viendra aussi frapper les nations. Because in the prophecy he will come to strike the nation, délivrer aussi son peuple. To deliver his people. Maintenant regardons. Now look. Il a menacé. He threatened. Il a frappé l'Égypte. He struck Egypt. Et il a fait sortir une terre qui est ici. He took out a land which is Israel. Et vraiment c'était la joie pour le peuple. And that was such a joy for the people. Parce que ce peuple est sorti des grandes eaux. Because the people have come out of the great waters. Le peuple est sorti des grandes eaux par des frappes. From the strike. Et dans le livre de Job chapitre 14, in the book of Job 14, le verset 11 à 12, verse 11 to 12, on explique tarir les eaux, ça veut dire quoi selon cette They are explaining drying up of the waters. What is, dans what les écritures, les eaux qui tarissent veut dire. So in the scripture, drying up means la fin d'un peuple. The end of one people. La fin d'un homme. The end of one man. C'est aussi la fin d'un problème. Is also the end of a problem. En d'autres termes, in other words, lorsque Dieu met fin à une nation, when God is putting an end to a nation, un homme qui t'est menacé, an end to someone threatening you, met fin à une nation qui t'est menacée, an end to a nation threatening you, met fin à un problème, an end to a problem. Selon le livre de Job, according to Job, c'est le tarissement aussi de that Dieu. Is a drying up. Voilà pourquoi quand il a frappé l'Égypte. That's when he struck Egypt. Dans le livre d'Exode chapitre 12. In Exodus 12. C'est comme aussi il a tari les eaux. It was like a drying up waters. Il a mis fin. He put an ending. On y viendra. Moses will come. Et le Seigneur qui vient. The Lord coming. Qui menace. Threatening. Je vois encore ça dans le ministère de Jésus. I saw that in the ministry of Jesus. Quand Jésus marchait. When Jesus was walking. Il pouvait voir aussi les démons qui s'élevaient. We could see demons standing up. Il pouvait voir les maladies qui s'élevaient. He could see diseases standing up. Il pouvait voir les problèmes qui s'élevaient. He could see the problems standing up. Mais il avait le pouvoir. He had the power. De menacer la maladie. To threaten disease. Il avait le pouvoir. He had the power. De menacer le problème. To threaten the problem. De faire tarir ses eaux. To dry up the waters. De faire sortir une terre. To bring up a land. C'était dans le ministère de Jésus-Christ. That was in the ministry of Jesus Christ. Qu'est-ce que je voudrais dire avant d'avancer? What am I trying to say again before I carry on? On voit Abraham qui descend en Égypte. We saw Abraham going down to Egypt. Et lorsqu'Abraham est descendu en Égypte, when Abraham went down to Egypt, Abraham est descendu avec une femme qu'on appelle Sarah. He went down with a woman called Sarah. C'était une très belle femme. She was so beautiful. Irréprochable, irrépréhensible. So unreprochable. Mais ce que vous devez comprendre. What you need to know. Selon les écritures. According to the scriptures. La femme c'est le corps de l'homme. So the woman is the body of the man. Pour dire tout simplement, Sarah c'était une portion d'Abraham. Sarah was a portion of Abraham. Ou en d'autres termes, un autre Abraham. In other words, another Abraham. En attendant quitter l'Égypte. When she went down to Egypt. All the servants of Pharaoh, they brought the news to say, we've never seen such a beautiful wife. We've never seen such a beautiful body. Voilà pourquoi Yesu natangwa kitaki. That's why when Jesus came down, the demon said, we've never seen such a beautiful body since the beginning of the world. Such a body we've never seen. Il faut we need to catch the body. We need to catch the body. Because spotless, blameless, no wrinkle. We have never seen this. Et Pharaon pressé. Pharaoh in a hurry. He wanted to look at the body. You are going to spew up.
You are going to draw it up. When it takes the body, the shaking happens. In the shaking in the house of Pharaoh, he threw up. They were in a hurry to catch the body. When Jesus died, when they took the body, the shaking in the days of death. Est-ce que tu crois ça? Do you believe so? Il faut qu'on te voie sans défaut. They need to see you blameless, spotless, no wrinkle. Voilà pourquoi l'Écriture dit. That's why the Bible says. La malédiction sans cause et sans effet. So every curse without reason la doesn't have effect. La malédiction sans cause et sans effet. Every curse without reason. Voilà. That's la right. Terre est sortie. The land was drawn. La terre est sortie. Was drawn out. Mais lorsque la terre était sortie, when the land was drawn out of waters, quand Isaïe regardait la terre, when Isaiah was looking at the earth, cette portion là de terre qui est sortie, that portion of the earth, dans le livre d'Isaïe chapitre 40, in the book of Isaiah 40, le verset verse 22, la portion qui est sortie est appelée le cercle. The portion of the earth that was thrown out is called the circle. Ça, c'est la géométrie de Dieu. This is the geometry of God. Dans la Bible, il y a aussi la géométrie. In the Bible, we've got a geometry. Voilà pourquoi tu iras dans les livres d'Apocalypse chapitre 21. That's why you will go in Revelation 21. On te parle d'une ville qui est carrée. They are speaking about a city that is square. Une ville qui est au-dessus de la montagne. A city on top of the mountain. Mais une ville qui est carrée. But it is squared. Quand on parle du carré, when they speak of the square, cela veut dire tout simplement. That means que toutes les parties du corps sont semblables. That all the parts of the body are equal. Quand on regarde le frère, they look at the brother. Il est semblable avec l'autre frère. He looks like the other brother. On regarde la sœur. They look at the sister. Semblable à l'autre sœur. She looks like the brother. C'est ça la ville qui est carrée. That is a square city. Est-ce que vous comprenez cela? You understand that? Voilà pourquoi. That's why. Il y a quelque chose qui rassemblait Israël. There is something that was gathering Israel. Lorsqu'il ramassait la manne, when Israel was picking up manna, on va chez l'autre, on voit un homère. They went to one, they see one measure. On va chez l'autre, on voit toujours un homère. They will see the same measure. En d'autres termes, tous avaient une seule et même mesure. In other words, all of them had the same measure. Il y a une mesure qui fait que nous soyons semblables. There is one measure to make us equal. Et cette mesure qui fait que nous soyons semblables. That measure making us equal. They look at you, they see your brother, your sister. Des apôtres. That is the teachings of apostles. C'est ça l'enseignement des apôtres. The teachings of apostles. Qui fait que nous soyons semblables. Makes us to be equal. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas mon enseignement, it means that if you do not have my teachings, mon frère, you are not my brother. You are not my brother. My brother is the one who believes in the same message like me. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Parfois mon frère dans le premier Adam. Hein? Maybe you may be my brother in the first Adam. Mais par rapport au ciel. But in relation to heaven. Il y a une mesure qui nous rassemble. There is a one measure gathering us. Et c'est ce qui fait que la ville soit appelée la ville qui est carrée. That would make the city to be called a squared city. Je vois encore au temps de Gédéon. In the time of Gideon. J'aime beaucoup Gédéon. I like Gideon. Parce que Gédéon savait, because Gideon knew, que devant Dieu, before God, il n'avait pas seulement les devoirs, mais il avait aussi les droits. He didn't have only duties, but also rights. Un fils est celui qui n'a pas seulement les devoirs, a son doesn't have only duties, mais qui a aussi les droits devant son père. Also right before the father. Et il pouvait réclamer ses droits devant son père. He had to claim the rights before the father. Si l'Éternel est avec nous, if
if the Lord is with us? Pourquoi toutes ces souffrances? Why all the sufferings? Vraiment, il pouvait réclamer ses droits. He could claim that. Toi aussi, tu dois réclamer tes droits devant Dieu. You have to claim your right before God. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, if you see something not working out in your life, il ne faut pas fermer la bouche. Do not shut your mouth. Tu es un fils. You need your son. Comme tu as le devoir de You've le servir, got the duty to serve. Il y a aussi le droit You've de réclamer got the tes droits. Right to claim your right. Tu es malade. You are sick. Tu dois réclamer ton droit. You need to claim your right. Tu as des problèmes. You've got problems. Tu dois réclamer ton droit. You need to claim your right. Tu n'as pas seulement des devoirs. You do not have duties. Mais tu as aussi des droits que tu dois réclamer devant Dieu. You have a right to claim before God. Amen. Et on va poser, Gédéon va poser la question au roi des nations. Gideon will ask a question to the king of nations. Les gens que vous avez tués, ils étaient comment? The people that you killed, what were they like? Les gens des nations vont répondre. The people of the nation would say. Ils étaient comme toi. They were like you. Directement, Gédéon dit. Gideon said. Ce sont mes frères. They are my brothers. Quand on parle du frère, when they say brother, on voit la ressemblance. They see the likeness. Est-ce que nous comprenons bien? Do you understand? Pour dire aujourd'hui nous sommes des frères et des sœurs. Today we are brothers and sisters. Parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Because there is something uniting us. Et ce qui nous unit est plus fort. What unites us is stronger. L'évangile qui nous unit est plus fort. The gospel that unites us is stronger. Celui-là c'est ton frère, c'est ta sœur. And yada your brother, your sister. If your brother is struggling, go and help. Because that is your brother. Ce que nous voyons aujourd'hui. But what we see today. Your brother is struggling. Your sister is struggling. But you neglect your brother and your sister. But you forget. If he is really your brother, you will show love. Moi, je connais ça à l'église là-bas. I always strike on this. Je connais ça à l'église. I always whip on this. Your frère, your sœur, Nkola Pambolio. You are a brother, you are a sister. God blessed you. So you've got a job opportunity. You give to your cousin. Instead of giving to your brother and sister in Christ. So when things are going to get bad, tu devais commencer par moi. You should have started by Et me. Fini aussi avec moi. And finish with me. Voilà pourquoi même ici vous les frères. That's why here you brothers. Vous les sœurs. You sisters. Il faut pasteur aye baka makambu na bino. Pastor has to know all your business. Business. Il faut associer les pasteurs. You want to make a business, involve your pastor. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Surrender to your the servant, you succeed. Many people are going further. They get stuck because they do not surrender to the servant. Voilà un peu. That's it. L'ébranlement des eaux, the shaking of the waters, a pour objectif de faire sortir la terre qui est sous les eaux. Has got the purpose of bringing out the land out of waters. Cet ébranlement vient faire sécher les eaux. The shaking is drying up the waters. Pour faire sortir la terre. To bring out the land. Mais pour ton information. For your information. Au troisième jour de la création, on the third day of creation, lorsque la terre est sortie des eaux, when the earth came out of waters, il y avait une partie aussi qui était restée sous les eaux. There was a part that remained seulement la terre under. qui est sortie des eaux que Dieu a appelé les cercles. So only the portion of land that has come out was called circle. God drew a circle. Et cette partie-là qui a vaincu les eaux, that part of the land, c'est cette partie qu'on appelle les cercles. Is called the circle. En d'autres termes, les cercles, c'est quoi? In other words, what is a circle? Le cercle, c'est cette portion-là de la terre qui est vainqueur. A circle is the portion of the land with the winner. Ce sont les victorieux. The victorious. Ba oyo ba longi maya minene. Those who won over great waters. Even if a waters were ruling, but when they waters, they have ruled et over. Ceux qui sortent des grandes eaux, those are coming out. C'est ce qu'on appelle les cercles. What we call en the circle. En d'autres termes, ceux qui nous ont compté on a cercle. If God counts you je in a circle, même ce soir, I tell you, minene, the great things that was ruling over you. If God bless you, identité, cercle, gives you the idea tu of a circle, you are more than a winner. Tu deviens plus you will become more than a winner. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? What am I trying to say again? Je suis quelque part.
standing somewhere. C'est un peu un langage difficile. That is a difficult language. Mais Dieu, dans sa manière de parler, but God in his way speaking, il parle d'une façon que personne ne puisse pas comprendre. Speaks in such a way you cannot understand. When God speaks, speaks for that people may not understand. Apesa musala o bazo benga ministère. He gave the ministry pour faciliter langage ya Nzambe. To make is to break this down to you. Le ministère ne vient pas compliquer le langage de Dieu. The ministry doesn't parce que Dieu lui-même parle d'une manière difficile. Because God is difficult. Dieu lui-même parle d'une manière difficile. God is difficult to understand. Alors si toi le ministère tu viens encore compliquer le langage, if the ministry is complicating things, mais l'objectif du ministère, the purpose of the ministry, c'est de prendre les choses difficiles de Dieu, is to take the tough things, et de rendre ça facile devant les to people, break this down to the people, afin que le peuple ait la vie, so that the people may receive life. Maintenant je prends un langage aussi difficile. Now I will take a difficult language. Mais on va le rendre facile. We will break it down to you. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. I am in Revelation chapter 9. Je commence par le verset 13 jusqu'au 14e verset. From verse 13 to 14. Là, je vois un grand fleuve. I see a great river. Il s'agit de l'Euphrate. That is Euphrates. L'Euphrate, c'est un grand fleuve selon les Écritures. Euphrates is a great river according to the Scriptures. Ce sont des grandes eaux. So the great waters. Maintenant, au-dessus de ce fleuve-là, now, on top of those waters, il y a quatre anges qui sont retenus. On top of Euphrates, we've got four angels suspended. Les quatre anges juste au-dessus du fleuve. The four angels suspended on top of Euphrates. Mais en dessous de ce fleuve-là, but beneath the river, il y a une terre. There is a land. En d'autres termes, quand je parle de cette terre-là, when I speak about the land, qui est sous les eaux, which is under the waters, c'est l'image d'une personne qui est dans les pleurs. That is the image of someone in the cries. Comme un frère aussi qui est dans les pleurs. It's like a brother mourning. C'est comme une sœur aussi qui est dans les pleurs. It's like a sister in distress. On peut le voir ce soir à l'église. We can see you tonight in church. Quand il rentre à la maison. When you go home. L'esprit abattu. The spirit is le down. Le corps troublé. So your body troubled. Et sous les eaux, il y a cette terre là. Under the waters, we've got that land. Maintenant, les quatre anges sont au-dessus. The four angels are suspended. Ils les regardent. They're looking. Ils attendent le temps. They're waiting for the time. Je t'assure, ceux qui ont gagné, I can assure you, if your time is up, barrière, even if they block you, complot, even if they plot against you, if your time has arrived, even thousands of witchcraft, they can never stand against the will of God in your life. Even the waters are up, but if your time, they will never stand against the will of God in your life. Aucune chose, nothing, ne peut anéantir, can break ce que Dieu a planifié pour toi. What the Lord has a plan for you. Là, je te dis la vérité. Telling you the truth. Je donne l'exemple. I'm giving an example. Israël, Dieu avait un plan pour lui. Israel, God has a plan for him. Ce plan là, that plan, Israël, je te donnerai la terre de Canaan. Israel, I will give you the land of Canaan. Mais avant que ce plan s'accomplisse, before the plan to be fulfilled, que Israël puisse entrer dans sa possession, for Israel to possess the land, Israël s'est retrouvé sous l'emprise de Pharaon. Israel was under the claws of Pharaoh. Israël s'est retrouvé sous la domination de Pharaon. Israel was under the dominion of Pharaoh. Vous savez ceux qui avaient les yeux charnels, do you know what could see carnally? Ils ont perdu l'espoir. They lost hope. Parce qu'ils croyaient, they thought, que sous l'emprise de Pharaon, under the c'est fini pour empire of Pharaoh, that's it. Alors il y avait une promesse de Dieu qui était suspendue quelque part. There was a promise of God suspended somewhere. Dieu disait, that promise said, vous sortirez. You will come out. Comme Dieu a dit. Since God spoke. Même les grandes eaux se sont élevées. Even the great waters. Pharaon s'est élevé. Pharaoh stood up. L'Égypte s'est élevée. Egypt stood up. Ce que Dieu a dit. What God spoke. A fini par s'accomplir. Will be fulfilled. What God speaks. Even if the water stands up. When the time has arrived, that will come to pass. Voilà pourquoi les anges étaient suspendus. That's why those four angels were suspended. Or, ces anges-là, ces quatre anges-là, those four angels, ils avaient une mission. They had a mission.
Ils avaient une mission. They had a mission. Celle de faire sortir la terre qui était sous les eaux. To take out the land that remained in the waters. But they left the river Euphrates to rule. Sur le plan prophétique, prophetically speaking, ça sera un temps où la bête dominera Israël. That would be a time the beast will rule over Israel. Mais Dieu sera comme celui qui est suspendu et qui God est... will be like suspended. Mais il y aura un temps there will be a time où il va descendre he pour secourir son come peuple. Down to rescue the people. Par là, je comprends. Understand? Lorsque le problème te domine, when the problem is ruling over les you, combats viennent. The battle. Do not think God has forgotten. God can see you, but he's waiting. He's just looking. Comme un aigle qui exerce le petit aiglon au combat. Like the eagle is making the small ones to use the battle. There will be a time. Où il va descendre. He will come down. Pour te secourir. To rescue you. Est-ce que tu comprends ça? Do you understand this? Il y aura un temps où il va descendre pour ça. There will be a time God will come down. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 37 le verset 25. I am in the book of Isaiah 37. 35. Qu'est-ce que Dieu fait pour tarir les eaux? What does God do to dry up the waters? Pour tarir les eaux, il utilise la plante de ses pieds. To dry up the waters, God is making use of his feet. Nzambe ayitilizaka lokolo po eta kausa bamayi. God is making use of his feet to dry up the waters. Mais devant la mer rouge, before the Red Sea, Nzambe pe kausa ki mayi. God dried up the waters. Mais là il a utilisé la verge. He made use of his staff. Mais devant aussi le Jourdain, before Jordan, Nzambe pa kavusa ki mai. God dried up waters. Place wana itiliza ki lokolo ya sakata. He made the use of the feet of the priest. Understand? Lokolo, the feet, c'est la verge. Is a staff. Amen. Lokolo ezalaka nde verge. The foot is a staff. Voilà pourquoi soko zotanga livre Apocalypse chapitre 10. That's why when you read the Revelation 10, tu vois un ange puissant sur lokolo na ya chango na mai. You see a powerful angel putting the feet on the waters. Aso ya poeta ka usama ya. Understand that the angels is drying up the waters. To take out the land under the waters. Okay, le Seigneur soit loué. May the Lord be praised. Natangu na zomona riti na se ya makolo ya bo. When I see Ruth under the feet of Boaz, but Ruth was a circle. The great waters didn't have any power because she was under the feet. You have to be under the feet of Jesus. You will go from victory to victories. Are you following me? Be under the teaching of Jesus. The great waters wouldn't have any power over you. Voilà un peu. This is quand il vient, when he comes, il faut na nous, he has to dry up the waters. Chapitre 9. I will go down to Revelation. Je prépare le terrain pour que tu puisses bien comprendre. I am preparing the field for you to understand. Je saute aussi quelque part. I will skip somewhere. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. I am in the book of Revelation 16. Na sixième coupe. They are showing us the sixth cup. Na sixième coupe na tango babwaki coupe wana na mai. In the sixth cup, they throw the cup on the waters. Balobiete bakausi le grand fleuve Euphrates. They say they dried up Euphrates. Oh, je comprends ce qui grand fleuve Euphrates kauki. So if Euphrates is dried up, dire que les anges qui étaient suspendus, that means those angels, bakiti pona baningisa mai wana. They came down to shake the waters. Enfin bakausa mai wana. To dry it up. God will never forsake his. He pretended like a ostrich. Who will forsake the eggs? But he will spread the wings to bring salvation. The ostrich will never forsake the eggs. God will never forsake you forever. You are praying. You are walking in holiness, cleanliness. I'm walking in holiness, cleanliness. Why am I not seeing anything? Do not be afraid. You will see and you touch. The ostrich will never forsake the land. He will spread the wing.
and bring salvation. That's why my prayer, if there are many people, it's been a long time, you remain in the same situation, may the Lord spread a wing. Voilà un peu. So, dans la sixième coupe, in the sixth cup, on nous parle du tarissement des eaux du fleuve Euphrate. They're speaking about Euphrates drying up. Quand nous avons parlé des jardins de l'Éden, qu'est-ce que nous avons dit pour l'Euphrate? When we spoke about the Garden of Eden, what did we say about Euphrates? Cet Euphrate représente la Babylone. So Euphrates speaks about Babylonia. Là, c'est sur le plan prophétique. That is a prophetic. Parce que dans le livre de Jérémie, chapitre 46, because in Jeremiah 46, les versets 6 à 7, verse 6 to 7, un fleuve qui sort d'une contrée donnée représente cette contrée. A river coming out of a country represents the country. La Babylonie, c'est un fleuve qui sort, l'Euphrate, c'est un fleuve qui sort de la Babylonie. Euphrates comes out of Babylonia. Directement selon cet écrit, l'Euphrate représente la Babylonie. Euphrates represent Babylonia. Mais la Babylonie, l'Euphrate, c'était un grand fleuve. Là, c'est dans les livres de Genèse, chapitre 15. So Euphrates was a great river. Grand fleuve veut dire un fleuve qui est capable d'inonder. Great river means able to swallow. Là, je suis dans les livres d'Ésaïe, chapitre 8. I am in Isaiah 8. C'est-à-dire un temps qu'on donnera à la grande Babylone. A time given to the great Babylon. Et dominer toute la terre. To rule over the earth. Et dominer aussi Israël. To rule over Israel. Le parvis extérieur. The external courtyard. Mais ça sera seulement pour un peu de temps. That was for a short while. Because God will never forsake his people forever. If you belong to God, God will never forsake you. What counts is for you to be the sheep of David. If David knows you in his flock, he will never forsake you. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. This is what we may say. Et dans la sixième coupe, in the sixth cup, we saw a great river, but dried up. God is able to dry up the great river. Il faut le louer. You need to praise him. If you understand this, je pense que ata uzalaki na problème, uzalaki monene. Even if you had a problem, na pokwa leloko minimize yango. But tonight you're going to undermine your problem. Because God is able to dry up the river. They dry up Euphrates in the sixth cup. When they dried it up, they saw kings coming out. So they dry up Euphrates, but you kings want to fight. Akausi ba problem na yo. Even if God get dry up yo, your difficulties, itumba pe sili, your problem, that's not finished. E they will come again. Me ata ye, if it comes, tala na simanzambe wa longisa kilo, look behind, God is able to make you a winner again. Yes, we comprend it, do you understand this? Now I'm going to explain the kings of the east. The kings of the east, what are they? Avant d'avancer, before carrying on, t'expliquer ces rois d'Orient, to explain the kings of the east. Na sixième coupe, bazo mona lisusu, l'esprit qui sort comme des grenouilles dans la bouche. So they saw the spirit in the six cap frogs. Ça sort de la bouche du dragon. The spirit coming out de la bouche de la bête, dragon, de la bouche du faux prophète. The beast and the false prophet. Un esprit comme la grenouille. A spirit like a frog. Qui sort de la bouche du dragon. Coming out of the mouth de la bouche of the du faux prophète. And the false prophet. Peur ba moni be esprit wana ba bimilo kola ba grenouille bazo sala pe bikamwa ba miracle. When they saw that spirit, they were performing wonders. Ah, je comprends qu'il y a miracle et miracle. I understand there is a miracle and miracle. Miracle. Some other miracles are frogs. Il faut avoir le discernement pour toyer ba où est grenouille. You need to have the understanding to know this is a frog. Si nous lisons les écritures, we read the scripture. En réalité, de la bouche. In reality, from the mouth. Sort la parole, n'est-ce pas? Comes out the word. Mais ici, on voit. But here we see. Que de la bouche, from the mouth, c'est la grenouille qui sort. Comes out a frog. Oh, je comprends que cette grenouille c'est une parole. I understand a frog is a word. Mais dans les écritures,
In the scriptures, la grenouille, Lévitique chapitre 11, Leviticus 11, c'était comme aussi un animal impur. The frog is an unclean animal. Je comprends que cette parole qui est la grenouille, c'est une parole qui est impure. We understand the word as a frog is an unclean word. C'est une parole qui est impure. The unclean word. Mais parole wana où est ça impure, zobima. That unclean word is coming out. Can also perform wonders. Je t'assure qu'il y a les vrais signes de Dieu. I can assure you that there is a mais true sign of God. Mais le malin aussi un imitateur. But the devil can le also vrai signe imitate. De Dieu se cache dans sa vraie parole. The true sign of God is in the word. The way you listen to the word tonight, that word is coming with a goal to be confirmed tonight. Before we carry on, God, before destroying someone, is going to defile you. When he will come as a judge, to judge, he may be innocent. Pour dire quand il envoie cette grenouille là, when he's sending a frog, la parole comme une grenouille, the word is a frog, il est en train de souiller un peuple. He's defiling a people. Azo souiller batumoko. Defiling people. Mais n'engage azo souiller bango. The way he's defiling azo them. Na piège. He is making un jour a trap. One day he will stand et quand il jugera, to judge them. Batumoko ko condamner so that he parce may que be tu déjà innocent souillé. Because you've been defiled. Voilà, l'iloba mususu, hein? The word of God. The false word coming out is defiling the people. La fausse parole souille le peuple. The false word will defile the people. That is the spirit of frog defiling voilà the people. Pourquoi, Bino, il faut bosser là. You should be parce que Dieu vous a donné les bons ministres. Because God sent you the so true ministers. If God gives you the true ministers, pour le peuple. That is a blessing for the people. That is a blessing for mais the people. If God gives you a teacher, when he's standing, il voit que c'est la grenouille qui sort. You see a frog. C'est une malédiction pour that le peuple. Is a curse for the people. C'est une malédiction. That is a curse. Alors il faut vous séparer pour être bon dans la bataille bien. You should be happy because you've got teachers. Et il faut les soutenir, j'insiste. Amen. You should support them. Parce que c'est une bénédiction pour vous. Because he's a blessing for et you. Et on nous parle du tarissement des eaux. They said drying up. Bazui les grandes eaux, bakausi yango. They took the great waters, they dried up. Er bakausi maya minene. When they dried it up. They took out a brother who was bound. They freed him because he became free. When they dried up the waters, after that another fight rose. So these, those who look up to Jesus Christ, they are winners. Waters drying up is also happening in Exodus 12. Israel est sorti des grandes eaux de l'Égypte. Israel has come out the great waters. Maintenant, Natango abimin kolo a chité l'Égypte. Now, when they went out, Egypt was swallowed. Akomi ko tambola po eta kende na Canaan. Israel was walking to Canaan. Le peuple marchait avec assurance. The people was walking with assurance. They were peaceful. Azo tambola lobito bimi. Walking saying we won. Mais curieusement likambo komeli. Strange enough for something happened. Il y a d'autres choses comme akapé brusquement. Some other things can happen. Mais le Seigneur donne toujours la victoire à son peuple. The Lord will always give victory to his people. Azo komela c'était quoi? What is happening was on voit directement Pharaon se lever encore. They saw Pharaoh standing again. Avec ses collègues, avec ses soldats, with all the soldiers, pour venir attaquer de nouveau Israël. To strike Israel. Mais Israël a quoi koloba? Israel would say. Likambo na longa ki? I thought I won. Pharaon na longa ki? Pharaoh I won. Aye li susu? Is he coming back il again? Il pouvait se poser cette question. He could ask the question. Parfois, un problème déjà yo longa. Maybe there is a problem. Mais you won. Zongi li susu? But came back mais to you. Mais zongi li susu? Even if it came back. Quelque soit manière, quelque soit no matter the shape or the way, the Lord will give you the victory. God will give you the victory. And
When they stood up, those kings, the prince, they came to fight. L'Égypte, c'est l'empire du Midi. Egypt is the empire of the south. Egypt is not the empire of the east. C'est l'empire du Midi. In the scripture, it's in the south. Voilà pourquoi on attend que Maïe Kauki d'Exode chapitre 12. That's why when the waters dried up, ce sont les rois du Midi qui se sont présentés. The kings of the south, ils se sont présentés pour la dernière bataille. They came for the last battle. La bataille qui devait se faire devant la mer Rouge. The battle before the Red Sea. C'est pourquoi nous disons encore. That's why we say. Que dans les livres d'Apocalypse, précisément la sixième coupe, in the book of Revelations, les rois reviendront encore. The kings will come back again. Quand le Seigneur frappera la grande Babylone, when the Lord will strike the great mais Babylon, les rois se lèveront de nouveau, the kings will rise pour up la dernière bataille qui est la bataille d'Armageddon. For the last battle which is mais Armageddon. Le secret dans la bataille, the secret in the celui battle, qui commence le combat, the one who starts qui the commence battle, l'œuvre en who vous, start the work in c'est you, celui aussi qui va jusqu'à la fin. We'll make it perfect. Voilà in you. That is the second battle. In the battle, Zambe uya bandaki, God who started, he is not Alpha only, Omega. He is Omega. If he gave la victory battle, you victory before, te donnera aussi he la will give you the victory battle again. Zambe wa bitumba God will make you win. Wana, he will make you victoire na win again. Seulement il faut croire. You need to believe. Que quand il commence, when he starts, he doesn't stop on the way. He will go to the voilà end. Pourquoi ma prière, that's why my prayer. Que ce Dieu-là, he qui God, a commencé en who toi, started in you. Quel que soit bitumba, don't matter your quel que fight. Soit ma difficulté, don't matter your qui battle. Qui est l'alpha, he's alpha, mais pas seulement l'alpha, not only the mais alpha, qui est aussi l'omega. And the omega. Que ce Dieu-là, may that God carry on with you and give you the victory on all your battles. May the Lord bless you. Can we pray now? Équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé.